The light is going down and the week is here. Save my soul. I can feel the coming troubles in the air. Bonjour à tous les amis, vous êtes avec Bobby Malteser, comme tous les vendredis après-midi, la vidéo de la semaine qui sort sur un support que je joue. Aujourd'hui, le pick support que j'ai choisi de vous présenter est Poppy, un champion que je joue actuellement en team, que je joue aussi pas mal en stream. On va parler, comme dans la vidéo précédente, des trois points forts de Poppy, en tout cas au rôle de support, et pourquoi est-ce qu'elle est jouable et viable au poste de support. On parlera un petit peu du gameplay juste après et on finira finalement sur tout ce qui est skill order, rune. C'est parti! Le passage niveau 2. Son niveau 2 est extrêmement virulent et surprenant pour les adversaires qui connaissent pas le pic sur la bot lane. D'ailleurs, lorsque ce farm mourra, nous passerons niveau 2. Les dégâts d'Aftershock ainsi que le double proc du E et du A font littéralement comprendre à Caitlyn qu'il ne faut plus qu'elle s'approche si elle ne veut pas mourir dans d'atroces souffrances. La polyvalence. Si l'on devait comparer Poppy à un autre champion au poste de support, on utiliserait très certainement Leona en maître étalon. Les deux champions ont en effet la même fibre offensive, ce sont tous les deux des champions all-in finalement. Certes, Leona est beaucoup plus efficiente lorsqu'il s'agit d'engager, mais Poppy peut tout de même endosser ce rôle très correctement. Avec Poppy, vous pouvez à la fois jouer en front lane ou alors rester en peeling pour counter certaines engages comme celle de Zac ou de Lee Sin par exemple. Le counter pick. Poppy a le gros avantage d'avoir des match-ups presque imperdables, notamment face à des ADC qui sont très sensibles à son anti-dash, tels que Tristana ou encore Kalista. De plus, les supports comme Yumi, Rakan vont véritablement souffrir face à Poppy, les empêchant littéralement de jouer parfois. Il est d'autant plus vrai que certains junglers, tels que Lee Sin, Zac ou Rek'Sai, voient leur gank échouer, juste parce que la mécanique de l'anti-dash est beaucoup trop forte contre eux. On va parler maintenant un petit peu plus en profondeur du gameplay de Poppy, qui est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, polyvalent. La situation que vous allez devoir accomplir va énormément varier d'une game à une autre, ou même, dans la même game, d'un play à un autre. Ici, nous sommes en scrim avec la line-up Isfair contre une autre line-up. Mon mid-laner me demande une ward, chose que je fais juste avant de plaquer le blanc contre le mur. L'ulti de Horn appliquant la fragilité aux deux adversaires adjacents, je décide alors d'utiliser mon ulti immédiatement pour profiter de ce debuff. Le blanc restant ma priorité, j'utilise mon anti-dash pour gêner sa contre-attaque ou même encore sa fuite. Dans ce cas de figure-ci, je flash Z pour empêcher la retraite de Caitlyn. Une fois cette dernière tuée, j'enchaîne sur Xerath, qui ne survivra malheureusement pas pour lui aux dégâts de Kayn. En phase de laning, il ne faut vraiment pas hésiter à all-in via un flash, surtout face à des lane poke comme Xerath et Caitlyn. Poppy est un champion qui peut très facilement dive en early, mais vous pouvez très rapidement vous retrouver dans une situation complexe si votre stun ne touche pas. Dans ce cas de figure là, on va essayer de dive ce Xerath, sauf que je vais complètement rater mon stun, ce qui va m'exposer à beaucoup trop de coups de tour et me coûter la vie bêtement. En d'autres termes, faites vraiment attention à ne pas surestimer la capacité de tanking de Poppy, car vous êtes en fait plus proche d'un Thresh que d'un Alistar dans ce domaine. En ce qui concerne le stuff, le Targon est primordial, étant donné qu'il proc en plus avec votre passif de bouclier, donc vous pouvez prendre un creep à distance. Comme tout bon perso offensif au corps à corps, ce que je préconise est le Zeke, ou encore Vœu du Chevalier, Redemption ou Iron Solari. Des bottes de Mercure ou des Tabi Ninja en fonction de ce que vous avez besoin dans vos parties. Des items plus situationnels comme le Frozen Earth, la Plaque du Mort, sont des choix possibles.
Comme une bonne partie des supports tanky, vous allez vouloir jouer Aftershock. En plus d'augmenter vos résistances, cette dernière augmentera vraiment vos dégâts au corps à corps. Ce qui est parfait pour Poppy. En Keystone secondaire, Demolish est très certainement la plus forte des trois, car elle peut être proc à distance avec votre bouclier. Shield Bash est quant à lui envisageable pour vous rajouter des dégâts s'il y a des squishies en face. Bone Plating et Unflinching sont juste obligatoires. En ce qui concerne l'arbre secondaire, je préfère largement jouer Domination, car je trouve vraiment Chipshot optimisé pour Poppy. Si vous préférez jouer moins agressif en early game, préférez alors l'arbre Inspiration pour vous munir d'une Stopwatch, du Dématérialiseur ou de Cosmic Insight pour le cooldown du Flash. Parlons un petit peu du Skill Order. Je vous conseille très fortement de max le E, car c'est votre sort principal de déplacement, de dégâts ainsi que de contrôle. A chaque fois que ce dernier prendra un niveau, une seconde de stun sera ajoutée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a aidé, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. On se retrouve vendredi prochain pour la présentation d'un troisième support. Ciao ciao !